Yep, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic. Allez, on va continuer la mission qu'on a commencé avec Miles. Bah, y en a qu'une. On pourrait se déplacer par métro, mais non, j'ai envie de me lancer. Alors, lançons-nous. On fait un petit piqué et on reprend juste en bas. Ouah, Miles, Ellie vient de m'écrire. Les hommes de Fisk attaquent le CJ Walker Park. Ils sont encore là, eux? Il y en avait qui traînaient encore dans le quartier. Dépêche-toi. Ils agressent les participants de la fête. Très bien, Ellie, que j'arrive aussi vite que je peux. Ça devrait être rapide. On va la sauver, Miss Ellie. Ah, c'est magnifique là. La musique et tout. Franchement, ils l'ont vraiment pas raté. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, bam. Les copains? Ah, on a du gros. Ouais, tu vas voir ça, toi, si je suis à toi. T'es déjà mort? Pas drôle. Yep. C'est toi qui m'as tiré dessus là? Ouais, pour apprécier. Pas trop non. On a fait de conneries. Non, c'est clair. Oh celui-là c'est trop bon ça. Harlem a pas peur de kidnappes comme vous. Allez petit calme-vous. Raté. Voilà. Tenez-vous le pourdit. Je les ai défoncés. Voilà. T'en fais pas pour ça. C'est aussi ma maison. J'en doute. Au revoir, Ellie. J'espère qu'on se reverra. Ouais, elle est mimi, hein. Ok, on a tenu une nouvelle. Radicale. T'es Winston Fisk. Allez l'équipe. Fisk est hors circuit à Harlem grâce à nous. Il nous répond pas non, Miles, grâce à toi.
Ouais, j'aurais même bastonné avec le vrai fisc, moi. Avec l'équipe. Bon, je sais, il est en taule. Je vais pas te mentir, je trouve ça cool. Oh, j'ai failli oublier de te dire. Ouais. Danica Hart a entendu parler de nos exploits. Elle veut que je participe à son émission. C'est énorme. T'es nerveux? Nerveux? Non, pas du tout. Mais comment je vais m'habiller? Je crois pas que ce soit important. C'est un podcast. Oh, et si elle entend que je suis en pyjama? Ou qu'elle veut activer la webcam? Oh là là, vite! Il faut que je me prépare. Bon, salut. Allez, je dois aller voir si Finn a caché une uniforme au James Theater. Ah, attends. Poser deux secondes, on va voir la carte. Ok, alors ah oui, on a ces nouveaux trucs là, des gros repères. Je serais bien tenté d'y jeter un petit coup d'œil. Allez, hop là, je sais pas, ça a foiré, ça a refoiré. Chers auditeurs, on va se calmer. J'ai enfin la preuve scientifique. Bon, allez, on va grimper. N'est rien qu'une aberration de la nature. Je vous explique. Un récent incident impliquant une grue et une minuscule lichette de glace s'est transformé en Spider Bavure quand la menace masquée a décidé d'intervenir. Résultat, un désastre. Crime. Cette ville n'en a jamais connu. On ne connaît pas encore le nombre de morts, mais je peux vous assurer que... Quoi ? Ah, on me dit qu'il n'y a pas de mort, heureusement. Mais le nombre de blessés doit être impressionnant. Les services d'urgence ne devraient pas tarder à nous communiquer les chiffres. Et... Hein ? C'est vrai ? Ah. Bon, on me dit maintenant qu'il n'y a pas de blessés non... Tu peux faire tes prières ! Ça va faire mal. Je vais te défendre quoi? T'as pas eu le temps. T'as vraiment mal choisi ton jour. Alors ça. Oh bah dis donc. J'avoue, c'était pas très classe le dernier, mais il m'a énervé. Que ça vous serve de leçon. On se l'aura, ouais. Bon, recommencez pas. D'accord. Hé, hey, Miles. Tu te souviens quand je t'ai dit que je connaissais quelqu'un qui enquêtait sur l'Underground? Je l'ai au téléphone. Ok, c'est pas le même esprit. German, je suis Danica Hart et je prépare une série de podcasts. Mais je suis un peu occupé là. Ton technicien m'a dit que tu avais besoin d'aide. Oh, waouh! Alors, je suis un grand fan. En fait, je suis un de leurs repères là. T'as des conseils? Oh putain, ils sont juste là. Oh, le coup de poux qui m'est pas vu. Incroyable. Les ondes radio, donc la police peut pas se coordonner. Désactive les brouilleurs et j'appelle la police pour qu'elle fasse une descente. Je m'en charge. Merci du coup de main, Danica. Ok. Bon. Parti. Alors, pourquoi je vois pas pourquoi tu es en danger? Parce que les deux autres sont côte à côte. Hein. Au-dessus, y'a personne, non? Ah oh merde, il était sûr. Là, c'est où le troisième là? Ah! Hop là! Pour toi, c'est fini. Pourquoi il va se rapprocher de lui là?
Sérieux? Ah, c'est l'autre kéké qui est là-bas qui m'embête en fait. C'est le 2 kéké même. Pas signé pour faire le piquet, moi. Moi non plus, alors faudrait bien que ça bouge. Coup de vie, tranquille. Allez hop là. Toi, ça va être la même. Merde. Je vais me tenter de bouton. Heureusement, j'ai eu mon instant d'hésitation. Alors, pour du coup, ce côté-là, c'est clean. Maintenant vous êtes safe ou vous n'êtes pas safe? Toujours pas. C'est parce que c'est ton méga pote, c'est ça? C'est quoi l'idée? Bon bah on va les faire bouger un peu mieux que ça. Hein. Attends, je crois que j'ai entendu quelque chose. Hé! Hey, y'a des toiles par ici, c'est lui! Putain, mais c'est qui te mate, quoi? C'est, je vois pas le délire, là. Ça dure trop longtemps. Oh, Spider-Man! Hé! Hey, faut qu'on le trouve! Oh putain! Remonte, on sait jamais. Parce que du coup, la copine s'est barrée. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Réfléchissons un peu, mais bien. Non, c'est beaucoup. Oh bah tiens, je te connaissais pas, toi. Oh, les vrais héros, tu sais, ils s'amusent un peu aussi, ils ont le droit, hein. T'avais raison de prévenir. Ou sinon vous pouvez aussi vous enfuir, ça reste une option. Moins grave. Faites attention. Alors, malgré la zone morte, j'ai réussi à choper une adresse IP et ça m'a conduite sur un forum de l'underground. Attention, pépite. Ah ouais? T'as trouvé des infos valables? Peut-être sur leur début? Ils rêvaient d'une mafia. Ils ont commencé avec des casses avant de s'attaquer à des groupes plus gros pour se faire une réputation. Comme... Oh, les démons intérieurs. Ok, eh bien il y en a beaucoup quand même, hein. On verra, on verra. Qui vivra, verra. Attends, ça va, vous plaignez pas, je vous en ruban, c'est tout. Il y en a d'autres, je peux vous assurer que je suis un petit peu moins tendre. Ouais, Danica. Du coup, ils ont voulu s'en prendre aux démons intérieurs. Qui c'est qui va vérifier? Ça s'est pas passé comme prévu. Pendant la crise du souffle du diable, il y a eu des qui va vérifier, bouge pas. Alors ils se sont planqués. Et les démons ont disparu quand Martin Lee est parti en prison. Ouais, l'Underground s'est emparé du territoire des démons un peu par défaut. Rien de spectaculaire.
Qu'est-ce que je fous là? Ça marche aussi, hein, c'est pas grave. J'ai besoin d'un coup de main. Je vais accrocher ton masque au-dessus de ma cheminée. Lol. Je te couvre. C'est parti. Et toi, qui te couvre? Ah, excusez-moi, ça gratouille. Mais du coup, attends, je l'ai vu sauter, mais il est parti où? Bon, en tout cas... Ah oui! Tu es haut, toi? Il y a des les deux qui se collent, là, fais chier. Parce qu'il pouvait grimper jusque-là. Ça rebouge en tout cas. Hé hey Julio, toujours là? Allô? Allez voir ce qui se passe. Je vais voir ça. Commence à baliser, bande de cul. Y a pas une plaque électrique dans le coin. Dommage. Attends, je crois que j'ai entendu quelque chose. À déstabiliser un petit peu tout ce beau monde. Spider-Man est en train de nous cueillir un par un. Ouais. Cueillir, c'est exactement le mot, quoi. Franchement, vous pouvez pas mieux dire. Ah, je vais pas y arriver. Hein. Je les ai énervés, mais pas apparemment pas assez. Oups. Hop. Un petit chat. Un vrai petit chat. Toi, tu seras pas sûr par hasard? Hop là! Ça, c'est trop pratique le coup du camouflage qui arrive juste derrière. Si on se fait repérer. Faut que j'y pense à le. Alors enlever quand c'est quand je suis tranquille. Hop. J'ai besoin de renfort. Allez ça. Ça a commencé à être important les renforts les mecs hein. Hop là, dans le dos de ton pote. Ouais, je me chierais dessus à ta place, mais laisse tomber. Oh, y avoir. On va le faire de ce côté-là. Allez hop. T'as rien vu. Je sais pas si d'ici je peux l'avoir. Si, carrément. Maintenant il en reste qu'un je crois. Bon attends, on va pas jouer au foufou, c'est, ça serait dommage. Oh, je dis au foufou, il est juste là, putain. Incroyable. Je peux pas le choper d'ici? Sérieux? Après je peux toujours me foutre en mode camouflage hein, mais... pas rigolo. Véritablement. Bon. Allez hop là, dans le vide. Ok.
Maintenant, je dois trouver le brouilleur. Je devrais pouvoir suivre les câbles avec ma tenue. Attends, il y a déjà un câble ici. Ah, je fais quoi là? Les fils qui dépassent, c'est probablement une bonne piste. Donc c'est à l'inverse, faut aller au bout des câbles. Ok. J'ai même pas regardé tous les petits gars qui pendouillaient. Alors regardez, scène d'horreur. Hein. Lol. Ne nous déconcentrons point. Du coup c'est là, pardon. Oh là là. Grosse journée. Putain de guerre. Je dois neutraliser le brouilleur. Voilà, leur repère redevient visible. Cool. J'envoie tout de suite un message à la police. J'ai hâte de développer le conflit entre l'Underground et les démons dans mon podcast. Merci, Spider-Man. C'est bon, je peux décoller maintenant. Oh yeah. Allez, ok, bah je sais à quoi si ça ressemble. Bah, j'ai mis 4 sur 6. Ouais, allez. C'est pas si loin que ça. On va s'élancer. Et ha, c'est parti. Harlem a été secoué par une série d'incidents ces dernières semaines, comme l'attaque du CJ Walker Park. Spider-Man a protégé les habitants, mais il ne l'a pas fait seul. Je suis avec Gandhi, un résident de Harlem qui a aidé Spider-Man à sauver le quartier. Ça met du baume au cœur d'aider les autres, d'autant plus en découvrant que Wilson Fisk était derrière tout ça. Mettre fin à ces opérations sera un des hauts faits de ma carrière, et celle de Spider-Man. Tu m'étonnes. Alors, comment avez-vous découvert cette info? En parlant aux gens du quartier. Ils se serraient tous les coudes. Et ça nous a nous-mêmes permis de les aider. Théo, Caleb, Camilla, Ellie, Steph, Gloria. Si vous m'entendez, merci à vous. T'avais raison, Gonky. L'Underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder. Doucement. Arrête tes blagues. Barrière électrifiée. Et pas qu'un peu. D'après ta tenue, tu t'es mangé 300 kilojoules. Et t'as juste fait aïe. Ça doit être grâce à ma bioélectricité. Ils peuvent pas produire tout le courant sur place. Bon, du coup, je suis dans la mission principale, sans le vouloir. T'as une piste sur la source d'alimentation? Plusieurs. Mais ces câbles vont me guider. Barrière électrique, ça plaisante pas. Ils se sont peut-être mis à flipper après mon petit numéro à la tour Fisk. Quel culot! Je crois que Jordan nous vole des trucs. Je sais pertinemment qu'il s'est pas entraîné au marteau. Et il y a quelqu'un qui vide nos caches. Alors, occupe-toi de lui. Avant Tinkerer, on se débarrasserait définitivement des voleurs. Ça va pas plaire à Tinkerer qui recommence à s'entretuer. Tinkerer a pas à nous dire tout ce qu'on doit faire. Elle voulait qu'on ait 3 sonnes, et c'est ce qu'on a fait. Ah, l'autre qui l'a vu ou quoi? Hey. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que ça peut sembler suspect. Oh bah. Je savais que je pouvais le faire. Excellent. On va peut-être changer d'emplacement là, c'est un petit peu risqué de rester dans le même coin. Méga dodo.
Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Encore un sniper de l'autre côté. Allô. Pas évident de rejoindre. Allez voir si elle va bien. Trop mignon quand il veut. Hop, bon. Enchaîne. Maintenant, je dois vider ce générateur. Parti. Ok, j'en ai vidé un. Et tout va bien. Les autres, maintenant. J'aurais pas me rapprocher trop vite, on sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Il y a du monde. Alors, on analyse. Oh, la petite plaque électrique, alors là. Plusieurs. Elle fait du bruit quand même en tombant un peu la pépette. Hein. J'essaye. Bien que je me reperche, merci. Faites attention, quelqu'un s'en prend à nous. On va essayer d'attendre que ça recharge quand même. Soyons pas foufou. Ça doit être ça. Bam! Alors attends, j'avais vu un autre gars donc du coup, mais... Il était placé où ce con? Je peux pas m'en occuper? Ah non, parce qu'il manque un gars. Ah, et peut-être derrière? Quoique non, ça fermait là. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Où est-ce qu'il est planqué? Ah, il y a tout un tas de gars là-bas. Ouais, mais je vois pas ça, il n'y a pas de rapport. Ah. J'ai cru voir un petit point rouge là-bas. Deux secondes.
bah c'est là-haut en fait. Ok. On va passer par là. Un sniper qui est tout là-haut là. Grosse précaution hein, dans le coin. On était désorganisés. On luttait pour survivre. Ça n'a rien à voir. Mais maintenant, on doit se battre contre Spider-Man et contre Roxxon. Tu n'avais pas vu venir celle-là. Hop. Tu peux pas aller sur le bout de la main là. Non, c'est un peu chiant. Quand je les entends comme ça, ça me ferait presque mal de les taper, hein. Mais bon. Voilà. Alors on commence par le plus haut. Et on va s'occuper de ceux qui sont un peu plus bas. Pardon. Perchons d'abord. Voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait aller? Franchement, juste en dessous, il n'y a personne. Il y a nobody. Ils sont que tous les trois, là. Ouais. C'est quoi? C'est pas un guerre, ça? Non. Je suis un peu embêté, mais ça, si j'y vais franco là direct, ils vont me voir. Donc il vaut mieux que je m'envole par là-bas. Non, continue. Quelqu'un a vu James? Vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Je veux vérifier. Mais qu'est-ce que c'est? Fouiller partout. Compliqué. Aucune chance contre nous. Oh, bien, mec.
Ça avance bien. Un petit gars tout seul, là. Il est encore en dessous en fait, c'est pour ça que je voyais pas. En fait, c'était facile. Bon, y a plus de danger, mais alors du coup. Ça s'est bousillé, mais il faut que je bousille l'autre qui était par où. C'est plus moi. Donnez-moi une petite indication quand même. Les gars. Attends, je vais suivre le câble. Ah, j'ai cru voir un truc. Non. Parce que là, celui en bas, je l'ai bousillé aussi. Du coup, le dernier, il était où? J'aurais dû le péter, mais il était jaune, je pouvais pas y toucher. Je ne pense pas. Toi, je t'ai bousillé ou pas? Ah bah non. C'était bien lui. Mais c'est où? J'ai plus aucune indication sauf les câbles. Bon bah... Suivons les câbles. Attends, c'est encadré de jaune là. Et oui. Ah bah oui, non mais je suis con, c'était ce truc là qui était alimenté, mais il est encore alimenté. Donc il reste encore un truc. Ici. Ah voilà. Lui, si je lui tape dessus comme ça, il va tomber, hein, ça c'est sûr. Oh, puis merde. Ah non. Ça va laisser une trace. Tranquille. Alors, vous êtes organisé comment, vous? Pas de petite plaque électrique qui traîne? Non, c'est ben dommage. Franchement, je crois que ça va être la baston. Hein. Allez, hop. Voilà. Dommage. Mais ça fait la deuxième fois hein, qui me fait chier. L'underground c'est fait. Le générateur c'est bientôt fait. Allez, où? Ça a marché. La barrière n'est plus alimentée. Pari pour la destruction. Je peux pas aller un peu direct. Ok. Hop, je suis un peu loin là, je crois. Oui. Oh bah voilà. Par là,
ça menait au grand auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Y a peut-être un escalier. Ou un ascenseur. Celui-là, par exemple, si j'arrive à le soulever. Dis, je pense à un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spider-Man ? Hey, Finn ! Non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relou qui essaie de t'arrêter. Ouais, d'accord. On va bosser sur la formulation. Un silo blindé géant, c'est prometteur. Il est tout seul ? Très bizarre. J'ai vraiment l'impression d'avoir une bécane préhistorique à côté. Ouais. Finn s'est fait un vrai QG de super vilain. Tu vois cette espèce d'énorme container blindé ? C'est pas louche du tout. Tu crois que le Nuform est là-dedans ? J'ai un pressentiment. Il y a plusieurs câbles qui s'éloignent de ce container. Je me demande si... Ah, rien vert. 6-2-1. Tu dois alimenter les autres. Alors, pourquoi tu penses que je devrais dire à Finn que je suis Spider-Man ? Tu crois pas qu'elle va le prendre un peu mal ? On va faire une liste pour ou contre. Pour, c'est ta meilleure amie. Enfin, après moi. Contre, c'est Tinkerer. Pour, lui parler sera plus facile que de magouiller des trucs dans son dos. Contre, l'autre Spider-Man a été super clair. Ne révèle ton identité à personne. Tu me l'as dit à moi. Peut-être que si elle sait que c'est contre toi qu'elle se bat, elle reviendra sur l'histoire de Tinkerer. T'as peut-être pas tort. Alors lui, il envoie du jus, mais je pense que ça va être bloqué, hein. Il va sûrement falloir relier des petits trucs. Parce que là, ça bouge pour là. Y'a personne ici. Je peux fouiller un peu. On dirait que Finn fait un nouveau masque ou un bouclier. Dès que je trouve un moyen de déjouer les armes de l'Underground, elle trouve autre chose. Alors, il va y avoir tout un délire. La petite toile. Ces câbles ont l'air importants. Ça vaut le coup de les suivre. Je suppose qu'au ça fallait faire ça. Pour l'instant, c'est pas alimenté. Pourquoi ? Parce que là-bas, encore un truc à connecter. Mais connecté où et sur quoi ? Je dois rétablir les générateurs pour allumer le montage de Finn. C'est l'invention de Rick. Krieger comprend pas suffisamment le Nuform pour en refabriquer. Mais Finn, oui. Elle a analysé sa réactivité. Bon alors, le con, qui passe de là, qui va là. Les trucs qui gênent, là, je pige pas. Parce qu'il
qu'il y aurait encore un générateur que j'aurais pas connecté. Je peux trouver les générateurs avec ma tenue. Je t'ai pas fait toi ou quoi? Il y a un générateur par ici, mais ces décors m'empêchent d'y accéder. D'habitude, ils ont pas des poulies dans ce genre d'endroit, enfin pour les déplacer? On va voir. J'ai vu un truc à poulies dans le coin, c'était où? Je t'ai vu hein. Ah, t'es là. Ok. Attends que je me mette en bonne position pour l'avoir bien en vue, voilà. Super. Une belle voie dégagée pour le générateur. Du coup, je peux le connecter d'ici. Attends. Ah merde, faut que je reste appuyé, je suis con. Ok, les décors sont levés. Mais il faut encore que je connecte le générateur. Et deux, trois. Encore. Pardon. Alors voyons voir. Alors d'ici on a le générateur, le courant passe jusque là. Alors, pourquoi ça marche pas en bas? Ouais. Voilà, et de deux. Et voilà le travail. Allez, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Bon sang, bon. Alors, qu'est-ce que tu mijotes, Finn? Finn injecte de l'énergie dans le Nuform. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est ce qui a fait sauter le pont. Et alors, elle veut quoi? Elle veut faire exploser l'opéra? Pas le James Theater. Roxxon Plaza. Waouh, quoi? C'est... Mais elle est malade! Elle n'a pas encore ouvert. Donc il n'y aurait pas de blessés. Mais je peux pas la laisser faire. J'embarque le Nuform. Non, non, non. Dispersion. Il est pas loin. Je dois récupérer le Nuform. Et d'abord, je dois vaincre son armée de lucioles. Oh le bordel. Ça, je dis rien. Mais imagine que Finn ait raison et que ce soit le meilleur moyen de battre Roxxon. Finn parle pas de casser quelques vitrines. Elle veut carrément détruire tout un immeuble de ma rue. Si son plan part en sucette, il y aura des blessés. Je peux pas la laisser prendre ce risque. Alors, dis donc, on va commencer. Sortons ce Nuform d'ici. Je suis trop loin. Ouais. Fait déjà deux. Allez, fallait deux coups, hein. C'est mon gros, j'ai
pas oublié que tu m'avais prêté l'arcade. C'était la loi du plus fort. Tout le monde peut la faire. Ah, c'est ça, ouais. Mais c'est pas parce que ton cœur a mouvement d'être profond de sa nature. Croyez-moi, Alain. Quoi ? On prend sa place ? Peut-être, on verra. J'ai juste besoin de sa tech. Et de notre soutien. Où est-ce que je peux aller? Là. Jenny, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Je vais vérifier ça. Merde, j'aurais pu l'avoir. Alors... T'as décidé de plus bouger, toi. Hey, couvre mes arrières. Hey, oh, venez voir par ici. Bah, rien. Où est-ce qu'il y en a d'autres, là? Hey, trois autres petits là-bas. J'allais te choper. En fait, non. Y'a personne ici. Ratissez la zone. C'est l'heure de la sieste. Sûr. Ça va être le dernier, je pense. Ouais, ouais, c'était prévu. D'accord. Oh bah oui hein. La bioélectricité marche. Génial. Continue. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ma panne. Pas dommage. Ok, le nuforme maintenant. Ok, doucement. Oh non! Ah non, pas ma copine. Je te laisserai pas prendre ça. Hey! Hey!
comment ? Je veux juste parler ! Vite ! Tinkerer, arrête ! Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Ouais, Ganki, j'ai croisé Finn. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, le bordel qui est fou. Je la poursuis à travers Manhattan. Oh non, oh. Comment tu vas l'arrêter ? Petit 1, je l'attrape. Petit 2, je te rappelle. Oh, bouge, bouge, bouge ! Va-t'en ! C'est une histoire entre Roxxon et moi. Je propose qu'on discute. Je te propose d'arrêter de me connaître. T'es même pas fatigué? Oh, excellent. Dans la bouise. T'es où là? J'en sais rien. J'évite des explosions. Il me faut une nouvelle stratégie. Merde, je me suis planté. Je vais faire ce que tu m'as dit. T'as pu dire la vérité? Ouais. Dès que je l'aurai rattrapé. Tinkerer, faut que je te dise un truc, ralenti. Tu me prends pour une débile? Non mais c'est important, je te promets. Dégage, Spider-Man. C'est pas gagné. Dégage de là. Wow, wow. Donne-moi une bonne raison de pas t'achever. Enlève ton masque. Ma mère t'en voudrait à mort. Miles ? On pourrait pas... Vous deux sur le toit ! Pas un geste ! C'était trop fort. Punaise. Bon bah on est à une heure de vidéo et je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter. Je suis à 59 minutes et 10 secondes. Non, je suis chez moi. Trop juste. Mes parents rentrent la semaine prochaine. Je voulais ranger un peu. Bon. Mais je peux revenir. Eh bah écoutez, sur ce je vous laisse. Je vous dis à tout de suite. Je m'éclate trop sur ce jeu. Comment je vais faire? C'est top. Allez, tchuss.